La photo d'un œuf sur Instagram, c'est 54 millions de likes. Et les victimes de crises humanitaires oubliées représentent 51 millions de personnes. Ça commence bien, je suis pas trop déprimant? L'ONG CARE a publié son classement des crises humanitaires sous-médiatisées, en analysant plus de 2 millions d'articles de presse. Sur les 10 crises dont on va parler, 6 ont au moins figuré au moins 2 fois dans ce classement, et sur les 10 crises, 9 se trouvent en Afrique. Ça s'explique notamment parce qu'il y a peu de correspondants de presse sur ce continent. C'est parti pour ce top 10 qui est pas hyper réjouissant, vous le devinez bien. Par contre, on va essayer de parler de ce qu'on peut avoir tendance à oublier. Numéro 1, Madagascar. Madagascar, c'est un des pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Les sécheresses, elles abîment les cultures et c'est ainsi qu'on a plus de 900 000 personnes qui sont en manque de nourriture. On parle quand même d'un pays qui est grand comme la France, où 75% de la population vit avec moins de 1,9$ par jour. Il y a donc des fortes chaleurs, mais aussi des cyclones et une déforestation de masse. Plus de 100 000 hectares sont détruits chaque année, ça fait 10 fois la surface de Paris. Un peu moins, mais on va pas chipoter. Donc on estime que dans 20 ans, c'est quasiment toute la forêt humide de Madagascar qui aura disparu. Et sans arbres, l'eau, elle n'est plus aussi facilement retenue qu'avant. Du coup, quand il y a des pluies diluviennes, on a des inondations. Pour essayer d'améliorer la situation, des associations aimeraient bien faire des levées de fonds, mais le gouvernement s'y oppose par peur que cet argent soit détourné. Numéro 2, la République centrafricaine. Depuis son indépendance en 1960, on a des conflits assez réguliers qui rythment la vie de ce pays malheureusement. Il y a eu un accord de paix en février 2019, mais les deux tiers du territoire ne sont toujours pas contrôlés. Et un habitant sur quatre a dû quitter son domicile à cause des violences. L'année dernière, on a compté un petit peu moins de 250 attaques sur des travailleurs humanitaires par exemple. Et comme si ça ne suffisait pas, on a 1,8 million d'habitants qui a besoin d'aide alimentaire. Numéro 3, la Zambie. On reste en Afrique pour compléter ce triste podium avec la Zambie en 3ème position qui souffre de la sécheresse notamment. 2019, ça a été l'année avec les plus faibles précipitations depuis 1981. Ça a fortement impacté les récoltes et donc leur prix, par exemple le cours du maïs a augmenté de 70%. Alors qu'en parallèle, on a 40% des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Il y a eu un don de 3,4 millions de dollars pour aider la population, ce qui est très bien car ça va fournir plus de 2000 tonnes de légumineuses à 250 000 personnes durant 3 mois, mais c'est pas suffisant parce qu'en réalité cette somme de 3,4 millions de dollars, elle ne représenterait que 10% des besoins du pays, qui sont donc estimés à 35 millions de dollars environ. Numéro 4, le Burundi. Le Burundi cumule de nombreux problèmes, sécheresse, pauvreté, malnutrition, maladie, conflits. Plus de 300 000 personnes sont réfugiées dans des pays voisins. 1,7 million de personnes sont en insécurité alimentaire, et tout ceci n'est pas facilité par une crise politique qui dure depuis plus de 5 ans et qui va sûrement s'accentuer à l'approche des élections qui arrivent bientôt. La liberté d'expression elle est muselée, on a des personnes qui disparaissent sans qu'on enquête, et on retrouve des corps sans vie. Numéro 5, l'Érythrée. En Érythrée, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'informations puisqu'on a un régime autoritaire qui est en place et qui filtre tout. Les associations humanitaires y sont interdites par exemple. On a quand même des estimations, 50% des enfants de moins de 5 ans souffriraient de malnutrition. Ça s'explique assez simplement malheureusement, durant les bonnes années d'agriculture, les récoltes elles vont couvrir entre 60 et 70% des besoins de la population. Par contre, sur une mauvaise année, on tombe à 20-30%. On a aussi des mines et des explosifs qui sont encore enfouis dans les sols et qui peuvent mettre en danger la population, sans parler de mariages forcés, mutilations génitales et grossesses précoces chez les jeunes filles. Numéro 6, la Corée du Nord. On parle surtout de la Corée du Nord pour son régime politique autoritaire, mais il y a aussi un problème qui est humanitaire. Forcément, l'accès est compliqué pour les ONG et les associations, mais on aurait 40% de la population qui n'aurait pas accès à l'eau courante ou à une alimentation suffisante. Quand je parle d'eau courante, je parle d'eau potable. Et donc on estime que 11 millions de personnes auraient besoin d'aide. On parle souvent des tensions avec la Corée du Sud, mais Séoul a débloqué plus de 5 millions de dollars pour aider son voisin du Nord. Numéro 7, le Kenya. Là aussi, comme dans d'autres nations africaines, on a des sécheresses, des pluies intenses, de la sous-alimentation. Et ce qui ne va pas arranger les choses, c'est qu'on a un problème de taille qui s'est attaqué aux cultures, c'est le criquet. En Somalie, à cause de cet insecte, l'état d'urgence a été décrété. Le nuage de criquet qu'il y avait, il faisait 2400 km², c'est la taille du Luxembourg. Et ce nuage, il dévore 400 000 tonnes de nourriture par jour. Numéro 8, le Burkina Faso. Au Burkina, c'est la menace du djihadisme qui impacte un quart de la population. Les attaques djihadistes dans le pays, elles ont déjà fait 750 morts depuis 2015. Pour tenter de résoudre ce problème de sécurité et défendre le pays, le gouvernement, il a pensé à autoriser les citoyens à porter des armes. En février 2019, on avait 60 000 déplacés. Février 2020, on est à plus de 600 000. On devrait atteindre 900 000 en avril. L'ONG CARE, qui fait donc ce classement, elle estime que c'est la crise humanitaire qui grossit le plus vite au monde. Je suis désolé, depuis le début de la vidéo, je vous assomme avec pas mal de chiffres, mais c'est quand même assez parlant et impressionnant. Numéro 9, l'Éthiopie. Là-bas, c'est près de 8 millions de personnes qui vivent une crise alimentaire. Une population fragile et des importantes violences, qu'elles soient sexuelles ou physiques, qui sont faites aux femmes, les femmes qui sont souvent agressées quand elles vont chercher de l'eau au puits ou du bois dans la forêt. La situation des femmes elle est aussi dramatique dans d'autres pays d'Afrique, faut pas l'oublier. 51% des filles qui sont mariées de force au Burkina, ce chiffre il monte à 76% au Niger. Au Mali, 9 femmes sur 10 ont subi des mutilations génitales, sans parler du travail des femmes qui n'est pas considéré et qui est en plus peu ou pas rémunéré. Numéro 10, le bassin du lac Tchad. On conclut ce classement non pas avec un pays, mais avec une zone géographique qui est celle du bassin du lac Tchad. Dans les années 70, il y a eu de grandes sécheresses et la surface du lac, elle a donc diminué. Ce lac a quand même perdu 90% de sa superficie d'origine à cause du réchauffement climatique sur les 40 dernières années. Moins d'eau, mais donc plus de terre, ça a attiré des personnes pour s'installer dans cette zone. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, on arrive à saturation, il y a trop de monde, de la misère, de l'insécurité, et tout ça, ça crée des tensions. On a déjà 10 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Voilà ce top 10, ce triste et malheureux top 10 sur les crises humanitaires oubliées et maintenant terminées. Ça me tenait à cœur d'en parler, même si à mon échelle, je suis pas sûr que cette vidéo change grand chose malheureusement. J'espère quand même que ça vous a alarmé et intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail justement,
à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. On a enfin passé le cap symbolique des 1000 abonnés juste avant l'anniversaire des 4 ans de cette chaîne. C'est juste incroyable, merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance. On se retrouve très bientôt bien sûr pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. On est pas mal.